Alors, nous y voilà. Vous êtes tous là? Il en manque trois là-haut à gauche. À droite, enfin, c'est dans le sens que vous voulez. Quel bonheur d'accueillir l'ensemble de ce podcast. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas, mais vous n'y parlerez pas à le savoir, que c'est l'ensemble qui est à l'initiative de la création du festival. Cet ensemble avait déjà une dizaine d'années d'avance, puisqu'il fêtera l'année prochaine ses 45 ans d'existence, et le festival ses 35 ans. C'est une histoire absolument merveilleuse, puisque à l'époque, ils sont prêts déjà, enfin, ça c'est magique, je vais me dépêcher. C'est le signal, hein, le massage de l'ENA, Gilles, tais-toi, ils sont prêts. Donc, en fait, il y a 35 ans, l'ensemble de Spotkani, il veut dire rencontre en polonais, imagine un festival qui est au fur et à mesure devenu celui-ci, mais qui avant était une vraie rencontre juste pour un week-end de belgo-polonais qui accueillait des amis de Pologne. Voilà. Et puis après, l'aventure a magnifiquement grandi. Pour en arriver donc à Spotkani qui existe toujours, qui n'est plus l'ensemble organisateur des festivals parce que les choses ont pris trop d'importance et à chacun son job et ses activités. Mais Spotkani a continué à bien grandir et à compter parmi les membres de l'orchestre, de la chorale et du corps de ballet, des Belges, des Français, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, enfin bref, c'est un vrai beau mélange très cosmopolite comme je les adore, mais qui incarne évidemment toujours avec beaucoup de fierté le folklore polonais. Alors, le programme du jour, une surprise, une nouveauté que vous allez tout comprendre, parce que Max, le chorégraphe, il a refusé de m'en dire autre chose que 1, c'est une valse, 2, c'est Prendovata, le titre, et 3, le compositeur, c'est Tilar. Tout le reste, c'est une surprise, mais il paraît que vous allez tout comprendre, et donc on va s'en satisfaire, mais je pense que c'est un grand moment que vous allez vivre. Ensuite, tradition polonaise oblige, moment de chorale, on vous emmène dans les montagnes et vous allez avoir le vertige, j'en suis convaincu. Ensuite, grand classique, on va à Tchétchin, et là, c'est évidemment la danse des foulards. Je vous dis juste encore que il y a des cours, des répétitions et moyens d'intégrer Spotkani si ça vous intéresse. Ils se réunissent au Reux, au centre des ascenseurs, c'est donc pas très loin d'ici. Et donc, si vous êtes séduit par ce qu'ils font, ou si vous avez envie d'intégrer le groupe, vous irez les retrouver tout à l'heure, puisqu'ils animeront en collaboration avec les amis de l'Oublie le bal tout à l'heure. Voici donc, avec un infini plaisir et beaucoup d'enthousiasme, l'ensemble Spotkani sous vos applaudissements. Mais alors, nous rimez plus que ça. Thank you.
extraordinaire prestation de nos amis de Spot Cagnes que vous pouvez raccompagner en coulisses sous vos applaudissements chaleureux et nourris. N'oubliez pas, on enregistre. C'est génial, avec eux, je passe toujours un excellent moment en coulisses, donc je suis peut-être quelquefois un peu distrait, parce qu'il y a toujours des charmantes jeunes filles qui viennent me dire « Ah ben j'étais toute petite, vous étiez déjà là !» Ouais, ouais, c'est comme Michel Drucker, 50 ans de télévision, moi c'est bientôt 30 ans de festival, et donc il faut en trouver un autre. Hein. Alors on va...